dire comme à nous et ouais, je pense qu'on va les entendre parce que tous les ans c'est la même chose appartement. Vous êtes en train de nous mettre en retard. Regardez, on est en train de vous filmer. Allez, faites-nous un petit coucou du côté de la banderole Ferjou là-bas. C'est pas compliqué un petit peu d'organiser, d'être derrière pour motiver l'équipe et de rouler aujourd'hui parce que dans la tête il se passe plein de choses. Oui, mais tout à fait, ouais. Tu poses le casque, il arrive plein de questions, faut essayer de gérer au mieux les lacunes parce qu'il y en a. Forcément, pas forcément des grosses, mais si on veut que ça se déroule bien, pour accueillir notre public au mieux, faut réagir au plus vite, quoi. Donc c'est vrai que t'as pas le choix que de poser le casque et puis de te remettre en question pour l'organisation. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. Et puis quand on remet le casque, on essaye d'oublier un petit peu. Et puis je vais dire, je fais ce que je peux aujourd'hui sur la moto, pourvu que je m'amuse un petit peu quand je suis dessus pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'est tout. Puis comme l'a dit Fred, autour de nous, mais beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles. On a le MC Track qui nous a aidé cette année à renforcer l'équipe. On a aussi les randonneurs du Chiou, la MVC. Donc sans eux, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu réaliser un tel événement. On a eu beaucoup de lacunes pour organiser, ça c'est certain. On n'a pas le choix, il faut être du monde, quoi. Voilà, vous pouvez applaudir maintenant Fabrice Dextier et toute son équipe.